Yo, salut à tous et à tous, c'est Renas de la chaîne Tutomax et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui vous permet de savoir, de connaître des applications qui sont gratuites sur le Play Store. Imaginons par exemple, vous utilisez déjà un téléphone Android et je ne sais pas si vous savez que le Play Store, parfois les développeurs mettent leur application gratuitement pour augmenter par exemple le nombre de téléchargements et tout ça. Mais nous, on ne peut pas le savoir par exemple si on ne suit pas des sites spécialisés ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui répertorie toutes les applications qui proposent un service gratuit ou alors des promotions de leur application, bien sûr. L'application s'appelle AppFree, vous allez la trouver directement sur le Play Store et bien sûr, je vais vous mettre le lien dans la description. Pour l'annoncer, il vous suffit seulement de cliquer et comme vous pouvez le voir, là, il y en a pas mal. Il y a des applications, par exemple, de Pack d'Icônes qui sont premium, que vous pouvez les avoir gratuitement. Vous pouvez avoir, par exemple, un lecteur de musique, parfois des jeux vidéo, par exemple, comme ce jeu-là que je vous conseille de le télécharger, que je joue personnellement. C'est un jeu d'énigmes que vous pouvez jouer, c'est très simple et il est très bien noté, 4,3. C'est un jeu payant, mais vous pouvez l'avoir gratuitement. Voilà, ça c'est l'application. Je vais pas tarder car elle est très simple à utiliser. Vous choisissez l'application que vous voulez et vous cliquez tout simplement et vous téléchargez l'application. Voilà. Ça c'est l'application que je voulais vous présenter. Il y a aussi ce jeu-là que je vous conseille aussi, que je joue personnellement. C'est un très bon jeu. C'est un jeu d'énigmes aussi, que je passe pas mal de temps à jouer des jeux comme ça. Tout le monde sait qu'on est en confinement et on a besoin de passer du temps. Moi je vous dis prenez soin de vous et ciao tout le monde.